Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On vient tout juste de discuter du trailer de FNAF qui a été publié sur internet cette nuit et qui me hype un petit peu. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le 17 mai 2023 et il est 20h14. Nous nous retrouvons pour la suite et la fin et la conclusion de Professeur Layton et l'héritage des Aslantes, mais aussi la fin et la conclusion de la licence Professeur Layton qu'on a commencé il y a plus d'un an, il y a un an et un ou deux mois, quelque chose comme ça. Et ça y est, c'est officiellement fini. Il n'y en a pas d'autres après, jusqu'à ce qu'évidemment il y ait l'Opus Switch qui sorte. Et donc là, on va reprendre un petit peu, l'histoire va continuer, mais là, officiellement, à l'heure actuelle, ce sera la fin. La fin. Et je ne compte pas Professeur Layton, le jeu mobile, et je ne compte pas non plus le jeu qui met en scène la fille de Professeur Layton. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout roule pour vous comme une bonne voiture. Et on va y aller, donc on va donc se lancer, on part pour un grand maximum 3 heures. Hein. Mais je dirais, allez, je mise sur un 2 heures. Je mise sur un petit 2 heures, je coupe la musique, on va se mettre comme ça. Bonsoir Twitch, bonsoir à toutes et à toutes. Oula. Enfin, c'est fort de mon côté, je sais pas. En vrai, même en découverte, tu veux pas faire 4L, genre un seul live, la pauvre quoi. Non, désolé, Maryse, je ne veux pas d'ailleurs. Bonsoir Maryse. Bonsoir Malouga, bonsoir Sala, bonsoir Siam, j'espère que vous allez bien. Mais c'est un petit peu le son du jeu. Il est fort de mon casque. On va continuer donc. Tout ça car c'est une femme. Et oui, c'est ça. C'est vraiment juste pour ça. Parce que c'est une femme, je m'y refuse. Parce que je suis féminophobe. Hein. Je sais pas comment... Sexiste. Pouah, c'était tellement simple. Pourquoi me compliquer la tâche hein. Je suis sexiste. Je suis macho. Ah oui. Il n'a pas d'autres des adjectifs comme ça qu'on peut placer. Je suis tout. Hein. Je suis tout, allez-y. Hein. C'est honteux. Assez, oui, c'est clairement honteux. Tout à fait, oui. Le respectable professeur Sycamore, donc là, c'est le résumé des épisodes précédents. Misogyne. Voilà, donc je suis misogyne, je suis... bof, peut-être. Je suis misogyne, je suis macho et je suis sexiste. Voilà. Le respectable professeur Sycamore, et après, je suis le premier à chaque fois que dans un jeu vidéo, on peut choisir le sexe, j'incarne toujours un personnage féminin. Le respectable professeur Sycamore se révèle être en réalité le terrible Jean Descorl. Oh. Voulant à tout prix l'empêcher d'utiliser la clé hein, qu'on avait formée avec les 5 œufs Aslantes, nos héros retournent à Frohnborg. Et là, c'est l'acte final. Ça y est. En vrai, essayer au moins une fois, peut-être une bonne idée après Danganronpa. Je l'ai pas détesté, suite de 4L. Bon, peut-être qu'en attendant celui de Switch, on pourra faire une découverte, mais... la flemme quand même, la grosse flemme. Mais on verra. Mais pas tout de suite, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà les citadins, vous tombez très mal, nous sommes en train d'évacuer tout le village. Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Pardi, une alerte rouge aux avalanches, la montagne s'est mise à trembler tout à coup. Ça ne présume rien de bon, faut pas rester là. Tout Frohnborg est en train de descendre dans la vallée, oh merde, et je vous conseillerais de faire de même. Ah, mais genre les habitants. Je croyais la ville descendait dans la vallée, je me suis dit waouh, la ville elle glisse, c'est super chaud pour le coup. Le sanctuaire est en train de s'éveiller. Si le professeur parvient à utiliser la clé, nous ne pourrons plus rien faire. Dans ce cas, nous devons l'arrêter avant. Vite, allons à la grotte. Let's go, la grotte. Il y a toujours le sac de couchage de l'autre. C'est très étrange, la température de la grotte semble très différente de la dernière fois. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup moins froid. Oui, c'est précisément ce que les Aslantes avaient prévu. La température devait augmenter pour que ceux qui ont résolu l'énigme de la clé puissent entrer dans le sanctuaire. C'est vraiment injuste, c'est nous qui avons tout fait tout le travail, et Descorl nous a manipulés. Rattrapons-le, professeur. Oui, Luc. Feu, Luc. Nous sommes à quelques pas de l'héritage des Aslantes, nous allons enfin voir de quoi il s'agit. Allons-y, let's go, Luc. C'est déjà la fin du jeu, il durait pas plus longtemps que ça. Eh bien, à moins que je me sois complètement trompé, non, je crois bien que c'est la fin du jeu. Descorl, ça suffit. Ah, waouh, de la voix, de la VF. Laisse-moi, c'est l'ultime énigme Aslante, et c'est à moi seul de la résoudre. Tu n'y arriveras pas. Non, je vous en prie, il est encore temps de tout arrêter. Cette comédie a assez duré. Qui a dit ça? Oh, Target.
Le seul ici qui mérite de continuer, c'est moi. Donnez-moi cette clé. Oh, la voix qu'il a. Pas mal. J'imagine que je n'ai pas le choix. Oh putain, tu t'es vite écrasé. Enfin. Je vous en prie, n'ouvrez pas les portes. Le pouvoir des Aslantes, ce n'est pas ce que vous croyez. Il pourrait détruire votre monde. Ah oui. Allons, jeune fille. Est-ce là le digne comportement de l'émissaire des Aslantes ? Bah oui, je pense que c'est son digne comportement de nous protéger, oui. Votre devoir sacré est de nous aider à découvrir leur héritage. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Rendez-nous la clé, elle est à nous. Nous avons parcouru le monde entier pour en trouver tous les morceaux. La terre entière est traquant avec espoir, surtout. Mais mon cher petit, si vous avez pu les rassembler, c'est uniquement parce que je vous ai laissé faire. Écoutez-moi, je vous en prie. Contrairement à ce que nous avions imaginé, l'héritage des Aslantes ne nous apportera rien de bon. Allons, mon cher, ne soyez pas ridicule. Oh, il a tourné le dos. Oh. Oh, sacré dos. Belle fesse. Professeur ? Tu sais ce qu'il va se passer, n'est-ce pas, Luc ? Je crois que oui, professeur. Hein ? Eh oui ! Eh oui, on l'avait vu avec la pelle la dernière fois. C'est pour les protéger. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant, Luc ! Yes, Luc ! Venez, professeur ! Luc, t'es le meilleur ! Une vague de Luc dans le chat ! Et pas une vague de chat dans Luc, parce que là, c'est bizarre. Je ne comprends pas. Qu'avez-vous fait ? Les Aslantes refusent l'usage des armes dans leur sanctuaire. Et ils se sont assurés que cette règle soit respectée. L'édifice Aslante de Vinstadt possède le même genre de protection, n'est-ce pas ? Effectivement. Et vous m'avez fait perdre du temps pour obtenir une chance de contre-attaquer. C'est très intelligent de votre part. Oui, moi, c'est Layton, quoi. Eh oui, tel est prix qu'il croyait prendre. Vraiment. J'ai subtilement coupé mon micro, je sais pas si ça s'est entendu. Oh, quoi ? Professeur, rendez-lui tout de suite la clé. Amy, mais qu'est-ce qui te prend ? Non, mais c'est quelqu'un d'autre. Amy, ça peut pas être elle. C'est normal. Je ne plaisante pas. Amy, dis-moi. Ce n'est pas possible. Mais si, je travaille pour Target. Pour Target ? Je suis devenue votre assistante uniquement pour mais vous non. surveiller. Mais non, Amy, je t'aimais, en fait. Simple. Je devais signaler toutes vos découvertes liées aux Aslantes. Amy, j'étais juste amoureux de toi, en fait. Je peux pas faire ça. Que c'est une blague. Allez, donnez-lui la clé. Amy, pourquoi ? Mais non. Pourquoi fais-tu cela ? As-tu bien réfléchi ? Moi qui me demandais si Amy sera dans l'opus Switch. Les conséquences seraient terribles. Écoutez le professeur, Amy. Dites-nous que vous êtes de notre côté malgré tout. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, je l'ai fait pour mon oncle. Oncle Léon représente tout pour moi. Oncle Léon ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Pardonnez-moi, professeur. Mais non ! Mais non ! Beau travail, Emmeline. Emmeline ! Oh ! Professeur, vous me voyez fort contrit. Mais non ! Amy, je l'aimais trop ! C'est un de mes personnages préférés de Layton. Je sais que vous vous êtes attaché à Emmeline. Je dois reconnaître qu'elle a magnifiquement joué son rôle. Arrêtez ! N'utilisez pas cette clé ! Je ne crois pas vous avoir demandé votre avis. Oh putain, je suis dégoûté.
je suis abattu. Amy, ma waifu de Layton, est en fait une traître. Des centaines de milliers d'années se sont écoulées, et pourtant rien n'a changé. Jeune fille, vous nous accompagnez. Il est grand temps pour vous de nous aider à résoudre l'énigme finale. Trop deg. Trop deg. Envie de canner, en fait. Eh bien, Layton, je dois avouer que je n'aurais jamais cru que ta chère assistante serait une top de target. Oui, sans déconner, moi non plus. Avoir ton visage déconfit, tu ne te doutais de rien non plus. Moi, j'essaye de... Ça faisait longtemps que je me disais, mais pourquoi, Amy, on la voit pas dans les autres jeux? Tu sais, dans les autres jeux, les premiers jeux Layton, ou du moins le troisième jeu Layton, c'est le dernier qui conclut l'ordre chronologique dans l'histoire de Layton. Et à la fin, il n'y a pas Amy. Il y a Luke, là, il y a Layton, mais il n'y a pas Amy. Et après, Amy est arrivée. Mais dans une histoire qui se passe avant l'opus 3. Et je me suis toujours dit... Bon, déjà, je me suis dit, bon, elle meurt. Je me suis dit, prends Layton, c'est chaud. Mais je me suis dit, elle repart, je sais pas, elle repart faire... elle va travailler, elle était une assistante, donc elle va ouvrir son propre cabinet d'enquête, j'en sais rien. Elle va devenir inspectrice Amy, tout ça. Oh non, mais là, je suis trop dégueu. Mais moi, je ne... C'est le pire scénario, je savais même pas que c'était possible. Ressaisis-toi, Layton, tes lamentations n'empêcheront pas Bronev d'obtenir le pouvoir des Aslantes. Je me fiche éperdument de ce gamin, mais je sais que tu tiens à lui. Et je crois que nous avons encore une infime chance d'arrêter Bronev si nous coopérons. De toute façon, tu n'as pas vraiment le choix, puisque je n'ai pas l'intention de te laisser partir à sa poursuite tout seul. D'accord, rattraper Bronev est ma seule priorité pour le moment. Envie de chialer. Qu'est-ce qu'il fout là-bas, Luc? Qu'est-ce qu'il fait? Salut, c'est moi, Luc, ça va? Là-bas, c'est Luc. Professeur! Je ne vois personne d'autre que lui. Bronev a dû juger qu'il était inutile. Je ne peux l'en blâmer. Bien, j'imagine que tu vas vouloir récupérer le mioche. Et pour cela, il va falloir que nous traversions ce ravin. Oui, tu as raison. Allez, énigme. Première énigme du soir. À ton avis, Layton, comment allons-nous traverser ce ravin? Je crois qu'il s'agit là d'un test. Oui, ceux qui ne trouvent pas le chemin sont indignes du sanctuaire et ne pourront pas y pénétrer. Je crois que nous devons nous servir de ce mécanisme. Ah waouh, la claque. Merci Crystal Red pour les 6 mois de resub. Merci Retawax pour les 17 mois de resub. Merci beaucoup. Ce mécanisme Aslante... Putain, mais ça fait une semaine que je tousse là, il faudrait que ça s'arrête un jour. Ce mécanisme Aslante permet de faire apparaître un passage au-dessus du ravin qui sépare Luc et le professeur. Afin de l'activer, chacune des grosses médailles du centre... doit être placé à côté de la petite médaille qui lui correspond en termes de motif et en termes de couleur. Le nombre de points sur chaque médaille indique de combien d'espace elle doit être déplacée à chaque fois. Replacer les médailles aux bons endroits afin de permettre au professeur et à Descol de traverser le ravin. D'accord. Oui, donc là, elle, je peux la déplacer que de 3. Lui, je peux le déplacer de 2. D'accord. Et donc là... Et les petites, on peut pas les bouger. On peut déplacer personne. Donc là, je peux déplacer que lui. Là, je peux déplacer lui. Ça, c'est bon. Oh, oula, calme-toi le jeu. Mais après, je suis bloqué dans tous les cas. Donc, je vais déplacer lui ici. Lui ici. Lui ici. Lui ici. Et lui ici. Lui. Merde, faut le déplacer de 2, lui. Ha, la boulette. Alors, c'est pas bon. Et là, personne peut se déplacer. Non, mais attends, mais pourquoi il bouge plus le 2 depuis tout à l'heure, là? Ah, mais tiens, je peux le déplacer comme ça, d'ailleurs. Il faut que je bloque le 2. Merde, ça, je peux pas le faire. Il faut que je bloque le 2 à son emplacement. Mais monsieur, je...
Pourquoi j'arrive à rien faire? Ah voilà. Le 2 est bloqué et là on touche plus jamais au 2 maintenant. Ah merde, si, je suis bloqué en fait. Oh, c'est chiant. Et bien voilà, nous y sommes. Voilà ma réponse. Et ma réponse est la bonne. Toute énigme a une solution. Oui, je cliquais pas au bon endroit. Bien. Professeur, Luc, je suis content de voir que tu es sain et sauf. Je suis drôlement soulagé de voir, professeur. Oh non, il pleure. Alors petit, tu as pleuré si fort qu'ils ont compris qu'il était préférable de te laisser tout seul. C'est vraiment un bâtard, Descol. Professeur, que fait-il avec vous? Eh bien, sache, mon garçon, que nous avons décidé de faire temporairement alliance pour arrêter notre ennemi commun. Merci pour les GG, le chat. Ce n'est pas à vous que j'ai posé cette question. Allons, Luc, calme-toi. Autant que ça me déplaise, Descol dit la vérité. Si nous laissons Brenev libérer le pouvoir des Aslantes, les conséquences seront sans doute désastreuses. Peux-tu nous dire pourquoi Brenev et Amy t'ont laissé tout seul? Oui, professeur, je voulais justement vous en parler. Amy est toujours de notre côté. Comment ça? Eh bien, pour commencer, elle m'a laissé la vie sauve. Amy, comment avez-vous pu nous faire ça? Vous étiez l'assistante du professeur, nous étions amis tous les trois. Tu ne peux pas comprendre, Luc. Mais... Luc, pourquoi ne voulez-vous rien expliquer? Écoute Luc, oncle Léon, enfin Brenev, est comme un père pour moi. Je t'assure qu'en réalité c'est un homme bon. Quand tout cela sera terminé, tu le verras toi aussi. Mais c'est vraiment votre oncle? C'est ainsi que je le considère. C'est lui qui s'est toujours occupé de moi. Il était si gentil. Mais maintenant, c'est comme si les Aslantes s'étaient emparés de lui. J'espère que le professeur... J'espère qu'il pourra le ramener à la raison. Mais alors du coup, tu ne prends pas en otage Luc et tu ne mets pas du côté de lui si tu veux le ramener à la raison, c'est complètement con. Je comprends pas Amy, moi non plus. Emeline, qu'est-ce qui se passe? Vous en mettez du temps tous les deux. Pardon oncle Léon, c'est que le petit a trébuché contre un rocher. Je crois qu'il s'est fait mal au genou, il va nous ralentir, nous ferions mieux de le laisser ici. D'accord, tant que nous avons la fille. Nous devons nous dépêcher si nous ne voulons pas nous faire attraper par Descol et Layton. Tu as raison, Emeline, cet enfant ne nous sera d'aucune utilité. Allons-y. Luc, le professeur passera forcément par ici, alors ne bouge pas et attends-le, d'accord? Je la trouve pas... Elle est un peu de l'autre côté, mais pas trop non plus, quand même. Je vois. Alors, cette jeune femme ne poursuit pas tout à fait les mêmes objectifs que son cher oncle. Nous n'avons pas le temps de nous pencher sur les intentions d'Amy, dépêchons-nous plutôt de rattraper Brenev. Eh bien, c'est parti. Allons-y. Alors, encore une porte. Le sanctuaire est peut-être juste derrière. On dirait que jusqu'à récemment, ce passage était bloqué par de la glace. Manifestement, le sanctuaire est resté caché derrière une épaisse couche de glace durant tous ces millénaires. J'imagine que les autres ont déjà trouvé le moyen d'entrer. Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. Une énigme sur la porte. C'est parti. Le portail est fermé, je ne vois aucun moyen de l'ouvrir. Mais comment Brenev a-t-il pu entrer? Il avait la clé et Gaïa avec lui, j'imagine donc qu'il n'a eu aucun mal à franchir ce portail. Mais nous n'avons ni la clé ni Gaïa. Tout ça c'est à cause de vous. Si vous ne nous aviez pas volé la clé. Oui, je sais petit, je suis affreusement méchant. Maintenant que tout cela est dit, occupons-nous plutôt de ce portail. Quand grand est dans le besoin... Il y a toujours un moyen à vous de prouver votre valeur. Notre besoin est grand et nous sommes prêts à prouver notre valeur. Ah mais je croyais que l'énigme était sur ça. «
Alors, quand un brille au-dessus, six brûlent en dessous. Quand trois contemplent le soleil, quatre abaissent le regard. Quand deux nagent la surface, cinq plongent vers le fond. Ah oui, d'accord, je comprends ce qui se passe, ok. Qui résout mon énigme aura prouvé sa valeur. C'était combien de picarates? J'ai pas vu. Résolvez cette énigme et ouvrez la porte en plaçant les bonnes pierres dans les bons emplacements. Alors on va faire ça et on va garder ça ouvert là-haut. Ok, et ça, d'accord. Alors, quand un brille au-dessus, donc un, il sera plutôt en haut, mais en haut de quoi? Quand un brille au-dessus, six brûlent en dessous. Six brûlent en dessous. On peut pas les déplacer, ceux-là. Quand trois contemplent le soleil, donc c'est un le soleil puisqu'il brille, donc trois contemplent le soleil, quatre abaissent le regard. Donc, j'imagine que quatre regardent vers le bas. Quand deux nagent à la surface, cinq plongent vers le fond. Et merde. Oh merde. Enfin non, c'est pas si simple du tout. C'était 30 picarates? Oh merde. Quand deux nagent vers la surface. Donc là, c'est le fond, ça. Puisque 4 abaissent le regard. Donc 2, ils nagent vers la surface. 5 plongent vers le fond. Mais ouais, bon. Non, 6 brûlent en dessous. Mais ils nagent vers la surface, donc j'aurais tendance à dire qu'il est déjà en cours de route. Je sais que ça sera pas ça. Je sais que ça sera pas ça. J'ai d'autres choses à faire. Oh, c'est un scandale! Ah, ne dites rien, le chat. Je vais trouver. Ok, j'ai peut-être une idée. Oh putain, j'ai peut-être une idée, attends. Ok, en fait, c'est peut-être un patron, ce qu'on voit là. C'est peut-être le patron d'un dé. Tu sais, genre, si on le plie, ça fait un dé en 3D après. Et peut-être qu'il faut réfléchir de la sorte. Donc, quand un brille au-dessus... Alors, faut voir où est le dessus. En fait, faut réfléchir avec le patron et avec ce qui est déjà placé. Où est le haut et où est le bas? Alors, 3 contemple le soleil. Ça veut dire que 3, il est... 3, c'est la face qui... Après, il y a un qui brille au-dessus et 6 en dessous, comme un vrai dé d'ailleurs. Sur un vrai dé, c'est les faces, c'est 1, 6, 2, 5 et 4, 3. Quand deux nagent à la surface, 5 plongent vers le fond. Alors, imaginons ça comme ça. Le 1, le 3, le 5, le 4 est en face. En fait, il faudrait juste changer ça. Là, si je le laisse comme ça, j'ai créé un vrai patron de dés. Et en fait, c'est ça en fait qu'il fallait faire. Cette énigme est bien trop facile. J'ai toujours su que j'avais raison. Pas mal. Merci Snake Buff qui a resub pour son 8e mois. Merci Nono1662 qui a resub pour son 14e mois. Merci LR-SLL qui a resub pour son 3e mois. Je peux enfin utiliser mon Prime pour me réabonner. Passez une bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée à toi aussi. C'était pour le moins étrange, mais nous pouvons entrer. Il y avait un cube dessiné sur la porte en plus. Ah putain, oui, il y avait un cube dessiné sur la porte. Putain, c'était sous mes yeux. Bronev ne perd rien pour attendre. Cube sur la porte, bien vu.
Waouh ! Ce lieu a résisté à plusieurs centaines de milliers d'années, les Aslantes étaient vraiment d'excellents architectes. J'imagine que la glace qui cachait l'entrée a contribué à la préservation de cet édifice, mais tout de même... Enfin, réveille-toi Layton. S'ils ont pu conserver une fille en vie dans de la glace au fil des millénaires, préserver ce lieu a dû être un jeu d'enfant. N'importe qui pourrait dominer le monde avec leur pouvoir. Maintenant, imagine-toi ce pouvoir dans les mains de Bronève. Ou dans les vôtres, vous ne valez pas mieux que lui. Chez. Est-ce là vraiment ce que tu penses de moi, petit effronté? Rien de tout cela ne serait arrivé si vous ne nous aviez pas volé la clé. Vous n'êtes qu'un... Mets-toi ceci dans la cervelle de moineau, dans ta cervelle de moineau. Si je vous ai demandé de m'accompagner, c'était uniquement pour que vous m'aidiez à me venger de Bronève. Je suis sûr que tout cela ne t'a pas effleuré, mais tout le monde ne rêve pas de s'accaparer le pouvoir des Aslantes. D'ailleurs, ces Aslantes, j'aurais plutôt tendance à les détester. Taisez-vous, vous n'êtes qu'un menteur, je ne vous ferai plus jamais confiance. Vous avez fait le gentil devant Gaïa juste pour gagner sa confiance, et après... Luc, s'il te plaît... Bon, ça suffit, pleurnicher ne te mènera à rien, nous avons perdu assez de temps. Pendant que nous bavardons, pour ne rien dire, Bronève continue de progresser dans le sanctuaire, lui. Il n'a pas tort, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser Bronève libérer le pouvoir des Aslantes. Je commence à me demander si nous ne sommes pas leurs marionnettes. Oui, toi, moi et même Bronève, de gentilles petites marionnettes exécutant fidèlement une pièce écrite par les Aslantes. Mais nous aurons tout le loisir de nous préoccuper de cela plus tard. Luc, sèche tes larmes et viens avec nous. Il faut que tu sois courageux pour Gaïa. Bien, ben alors... nouvelle énigme, c'est parti. Aucun chemin ne mène à cette arche. Comment est-ce qu'on va faire pour y parvenir? Il y a bien un canal, mais le niveau de l'eau est très bas. Regardez ces passerelles à hauteur. On dirait qu'elles renferment les mécanismes de contrôle du niveau de l'eau. Mais si on fait monter le niveau de l'eau, comment est-ce qu'on s'y prendra après? On devra continuer à la nage? Ah, il est vrai que tu aurais besoin d'un bon bain, mais laisse-moi m'en charger. Pas question, vous allez encore en profiter pour nous trahir, je m'en occupe. Vas-y Luc, te laisse pas faire, c'est ça. Sois en colère. 50 picarats. Le niveau d'eau du canal est contrôlé par les interrupteurs situés sur les passerelles qui le surplombent. Il faut tous les activer afin de rétablir le niveau normal de l'eau. Cependant, ce système Aslant a été conçu de telle sorte que les passerelles s'écroulent après que quelqu'un passe dessus. Oh, ce qui interdit tout retour en arrière. Les seuls endroits où Luc peut s'arrêter en toute sécurité sont les coins et les intersections. Aidez Luc à rétablir le niveau de l'eau en faisant activer tous les interrupteurs avant de rejoindre la sortie sur la droite. Ah, donc il va falloir juste trouver un chemin où on passe par tous les interrupteurs du coup. Ça m'a l'air bien... Ça m'a l'air bien drôle. Est-ce que c'est un chemin ça? J'arrive pas à voir. Oui, j'imagine que oui. J'imagine que oui. Bon. Ah, donc si, après... Non, ça va. J'étais en train de me dire si j'attends trop, est-ce que c'est grave ou pas, mais... Non, ça peut le faire. Ah, il fait ça. Ah, il va en ligne droite en plus. Ah, j'avais pas tilté qu'il allait en ligne droite tout le temps. Ça passe, ça? Ah, c'est un petit... D'accord. Ok. Mais je comprends pas, par contre, pardon, mais je gagne là ou pas? Mais j'ai réussi? Ou j'ai foiré? Cette fois, je suis sûr de moi. Super, j'ai réussi. Bon, ben merci le jeu. C'était la dernière énigme de tout Professeur Layton de la licence, c'était énorme. Mais quoi? Elle était très simple. 50 picarats, mais très simple. Professeur, regardez! Bon, j'ai un peu menti. Elle était... En vrai, pendant que je parlais et que je regardais le jeu, j'avais déjà fait le trajet dans ma tête. J'ai fait genre que je savais pas. Oh, j'ai déjà gagné et tout. Je suis un acteur, c'est pour ça. On n'aura pas besoin de nager, Luc. Tiens donc, on dirait que ce bateau est fait de bois. Il aurait dû pourrir depuis longtemps. En tout cas, merci, Luc. C'est grâce à toi que nous pouvons avancer. C'était une énigme plutôt simple, mais tu t'en es plutôt bien sorti, petit. Vous, quand j'aurai besoin de votre avis, je vous ferai signe. Et le signe, ce sera celui-là. Oh là, c'est d'une violence que je viens de faire. Pardon, Twitch. Ne me banne pas! Me banne pas, Twitch. Pardon, j'avais oublié l'écran. Désolé, détestez-moi. Du calme tous les deux, nous n'avons pas vraiment le temps de nous chamailler. Bon, la feu.
Bonjour, bonjour. Qu'avons-nous? Oh, oh, la classe des statues. J'ai vu un truc. Une Nekemain. Il m'a fait un doigt, wesh. Oui, il était rien que pour toi, Siam. Désolé. Je pensais pas que t'allais le voir. L'atmosphère est différente ici. Il fait vraiment très chaud. Ces statues sont très étranges. Regardez leurs yeux. J'ai malheureusement l'impression qu'elles ont été conçues pour protéger ce lieu des intrus. Ce seraient donc des sortes de gardiens aslantes. Il est fort possible qu'ils aient été créés pour s'attaquer à quiconque essaierait de s'aventurer ici sans la clé. Ceux qui ont créé le sanctuaire ne voulaient vraiment pas que des intrus y pénètrent. En effet, ils ont pris des mesures pour le moins radicales afin de garder ces lieux. Reculer, ces défenses ne sont rien face à mon ingéniosité. T'es viré, t'es. Allez. Ah, mais c'est un. C'est similaire, non? La pièce dans laquelle nos héros viennent de pénétrer pullule de statues aslantes capables de réduire en cendres n'importe quel intrus d'un simple regard. Heureusement qu'elle ne voit ce qui se trouve droit devant elle. En les approchant par le côté ou par l'arrière, Deskol devrait être en mesure de les détruire avec son épée. Guider Deskol jusqu'à la sortie de l'autre côté de la pièce tout en lui évitant d'être frappé par les statues gardiennes. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Donc il faut pas que je sois... Mais ça ne rigole absolument zéro. Est-ce qu'elles avancent, les statues? Ah, mais elles n'avancent pas! Attends, et moi je dois aller là-bas? Bah attends, et tu m'as dit que tu pouvais la péter? Vas-y, pète-la pour voir. Oh, c'est génial. On va péter celle-ci maintenant. On va pas péter celle de droite, tu t'en doutes bien. Attends. Mais j'ai juste à... aller. Ah non, il y en a une qui me dérange là. Et je peux pas aller la péter tout de suite. Parce qu'il y a l'autre qui va m'embêter. Je peux pas passer par là. Écoutez, qu'est-ce qui m'empêche de péter celle-ci? Et de refaire le tour maintenant. Mais j'aurais même plus... Ah oui, maintenant je peux passer là, c'est bon. Eh mais pour le kiff, en vrai, pour le kiff, on les pète toutes, hein. On se fait un 100%. Ah mais attends, quand je pète une statue, je prends automatiquement sa place, non? On va pas faire des folies non plus, allez. J'ai d'autres choses à faire. Ah putain, j'ai confondu d'écran, je suis une merde. Pardon. Évidemment, j'avais raison. Ça me fait chier. Je me suis pas rendu compte, désolé. Désolé, je me donnerai 10 coups de fouet à la fin du live, voilà. Ces statues ne peuvent plus rien contre nous. Oh, non. Oh, il a protégé Luke. Mais non. Deskol, reste avec nous. Oh, ne t'en fais pas pour moi, Layton. Mais il y a quelque chose que tu dois absolument savoir. C'est tellement une tirade de personne qui est en train de mourir, ça. Je t'écoute. Ce que j'ai à te raconter est arrivé quand tu étais petit. Tu l'or. Te souviens probablement. L'or. L'or. C'est le l'or. C'est le l'or. Ce jour-là, c'était peu après l'enlèvement de nos parents. Comment? Il a dit de nos parents? L'enlèvement de nos parents? C'était il y a bien longtemps. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Nos parents nous avaient quittés. Nous étions livrés à nous-mêmes. Nous avions toujours notre maison. Mais nous étions beaucoup trop jeunes pour nous débrouiller tout seuls. Un jour, on nous a dit qu'un couple était intéressé par l'adoption. Mais ils ne pouvaient pas nous accueillir tous les deux. Et d'abord, je veux pas y aller. Ne fais pas le bébé. T'iras vivre chez les Layton et t'y seras très bien. Je veux pas, Herschel, je veux pas. Arrête, à partir de maintenant, Herschel, c'est toi. C'est compris? Bonjour, vous êtes bien les Layton? Voici mon petit frère, Herschel.
Bonjour, mon petit. Tout le monde nous a dit que tu étais un garçon extrêmement intelligent. Bonjour, Herschel. Ça nous fait très plaisir de te rencontrer. Si on avait pu, on t'aurait pris toi aussi, tu sais. Oui, mais Herschel sera heureux avec vous. Et toi, alors? Il y a une famille du village qui va s'occuper de moi. Les Widgers. Bien, voilà qui nous rassure. Allez, il est temps pour nous de partir. Au revoir. C'est le début de ta nouvelle vie. Il ressemble trop à Ness. J'espère vraiment que tu seras heureux. Herschel Layton. Et pourquoi il lui a donné le nom de Herschel? Enfin, je veux dire, c'est quoi son vrai prénom, du coup? Mais alors, je t'ai donné mon nom. Ben ouais. Et tu es allé habiter chez les Layton à ma place. Et comment il a pu ne pas s'en rappeler? Mais je... Oui, ça me revient. Je ne m'appelais pas Herschel. C'était le nom de mon frère. Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Ce que tu veux savoir, c'est pourquoi je me suis évertué à te causer du tort, n'est-ce pas? Si tu préfères le formuler ainsi... Mon but final était trop important. Je voulais découvrir les secrets des Aslantes avant Target. Mais pourquoi était-ce si important pour toi? Sans cette maudite civilisation, nous aurions été parfaitement heureux. Tout ce qui nous est arrivé, c'est à cause des Aslantes. Notre père était un archéologue ordinaire, jusqu'au jour où il a découvert une trace des Aslantes. Oh! En trouvant une preuve qu'ils avaient laissé un héritage, il a accompli un exploit qui lui a valu d'être kidnappé avec notre mère. Oh, c'est la maman de Layton. Enfin, Layton, du coup, c'est pas son nom. Mais on connaît ni son nom, ni son prénom. C'était là l'œuvre de Target. Ce n'était alors qu'un petit groupe vouant un véritable culte aux civilisations anciennes. Quant à nous, nous nous sommes retrouvés seuls, livrés à nous-mêmes. Après ton départ, j'ai commencé à étudier l'archéologie. Il me fallait tout savoir sur les Aslantes pour me venger de Target. Je voulais qu'il paie pour nous avoir volé nos parents et pour avoir changé notre vie à jamais. Cette vengeance, je voulais l'accomplir en obtenant le pouvoir des Aslantes avant Target. Sais-tu ce que sont devenus nos parents? Est-ce qu'ils sont toujours vivants? Notre mère est morte depuis longtemps. Oh. Quant à notre père, il a été si longtemps l'esclave de Target qu'il a fini par changer et en devenir un membre très influent. Mais non. Il ne pensait plus à rien, sauf aux Aslantes. Pour parvenir à ses fins, il s'est mis à employer les méthodes de l'organisation. Mais alors... Non, c'est impossible. Si. J'ai bien peur que tu aies compris. Léon Bronef est notre père. Oh non, c'est trop là, il y a trop. Mais alors du coup, c'est vraiment l'oncle de Amy? Je ne peux croire une telle chose. Layton, j'ai échoué. À présent, c'est à toi d'arrêter notre père, avant qu'il ne soit trop tard. Mais je ne peux pas te laisser ici tout seul. Si, tu le peux, et il le faut. Si le pouvoir des Aslantes est libéré, nous mourrons tous. Alors toi aussi, tu te doutes de la véritable nature de leur héritage? Oui. Tu n'es pas le seul à savoir résoudre des énigmes. Mais assez parlé. Tu dois t'en aller. Très bien. Surtout, n'essaie pas de bouger. Quand tout ceci sera terminé, je reviendrai te chercher. Il n'y en a pas son prénom! Ah, je suis sur le cul.
Herschel Bronev. C'est une impasse. Où est-ce qu'on doit aller alors? Regarde bien le sol, Luke, ne remarques-tu rien? Une énigme. Qu'est-ce que c'est? Une énigme que nous devons résoudre pour rejoindre Bronev, je dirais. Regardez, on dirait un levier. Je crois que nous devons abaisser ce levier pour activer un mécanisme. Comment ça fonctionne? Putain, mais révélation en révélation ce soir, c'est dingue. 40 picarats. Merci MarineLD98 pour les 41 mois de resub. Et merci à Wazuri qui a sub en prime. Pour la première fois de sa vie, bienvenue. Luke et le professeur ne le savent pas encore, mais ils viennent de découvrir un ascenseur caché. Afin de l'activer, il suffit d'abaisser le levier doré. Il y a hélas un petit problème. La rainure sur laquelle le levier doit coulisser n'est plus en place. Aidez nos héros à rétablir une rainure qui permette au levier de coulisser jusque dans l'emplacement tout en bas, au milieu de l'écran. Touchez un bouton doré, ok, pour faire pivoter les 4 carrés qui l'entourent. Attention cependant, vous ne pouvez effectuer ce mouvement que 6 fois. Oh. Ah bon? Alors, donc, il faut faire... Ah, oh. Attends, et pourquoi quelque chose a augmenté là? Et là c'est fini. D'accord. C'est le tous les mouvements. Donc en fait je dois résoudre l'énigme en seulement 6 coups. Attends, mais c'est hyper pas simple. Attends, c'est hyper pas simple. Donc je dois faire juste une ligne droite, hein. C'est pas un chemin un peu bizarre qui va passer ailleurs, c'est juste une ligne droite. Une rainure qui permet au milieu de l'écran. Ouais, je suis pas sûr, en fait, peut-être ça peut être aussi un... Non, moi je dirais une ligne droite. Bon, bah là il me faut une ligne ici. Comment je vais te laisser chercher, moi? Et en vérité, c'est pas si évident de ouf. Non, c'est pas du tout évident. La tour qui arrête pas de se monter et se descendre, la pauvre. Là, je te donne ça. Et là, je récupère ça ici. Non. C'est pas dingue, je sais pas. Pourquoi j'aurais besoin de tourner celui-là? Des angles. À quoi ça me sera utile? Dommage qu'on puisse pas les tourner vers la gauche. Ça arrangerait tellement de choses.
Non mais ça m'a pris 4 déplacements pour en placer juste un ici, c'est trop. À la limite, là, j'en ai 3. En 3 déplacements, je peux avoir ça. Et où est-ce que j'ai chopé l'autre? Ça sert à rien, je le touche pas. D'abord se concentrer sur ça. Putain, et lui, si seulement je pouvais juste le tourner sur la gauche. Le problème c'est qu'il est là, celui qui me manque. Ah attends. Non. Comment je vais te le récupérer lui? Donc là, faut que j'en garde 2. Hop, je coupe mon micro 2 secondes. Là, j'en garde 2 pour le placer comme ça. Mais lui, là... Ok. Ok. Ah non. Non, ça fait trop. Non, non, j'arrive pas. J'arrive pas à mettre une ligne ici. Je vois pas comment la placer. Cette ligne, le... Peut-être qu'il faut que j'aille la chercher ailleurs. Non, je pourrais pas. Celle-là, elle est trop loin. Je sais.
J'en viens toujours à me demander, à cause des angles, si c'est obligatoirement une ligne droite en fait. Je vais prendre un indice peut-être qui va me le dire. Procéder par tâtonnement est une bonne manière de s'attaquer à cette énigme. Touchez donc des boutons et voyez ce qui se passe. Gardez simplement à l'esprit que votre but est de créer un chemin partant du levier en allant jusqu'au bas de la grille en 6 mouvements au moins. Conseil supplémentaire, commencez par toucher 2 fois le bouton en haut à droite. Sachez également que le chemin que le levier va parcourir est assez court. En haut à droite, 2 fois. 2 fois. 2 fois. Donc du coup ça place ça comme ça. Oh putain. C'était pas si dur, mais ça voulait pas être trouvé. Cette énigme était passionnante. Aïe, c'était pas simple. GG. Mais c'était pas simple. Mais c'était pas simple à la fois, ça aurait pu être trouvé. Je sais pas comment l'expliquer, c'est bizarre. Hein. Au travail, il y a plus d'une manière de... Bon bref, ok. Plus d'une manière, ok. Un ascenseur. Luc, te souviens-tu des inscriptions sur le pilier que nous avons vu lorsque nous sommes allés à la rencontre de Bronev? C'était compliqué, mais elles avaient l'air de dire qu'il fallait résoudre l'énigme des Aslantes pour obtenir leur pouvoir. Oui, nous pouvons le résumer ainsi. Celui qui résout cette énigme apprendra les secrets de la plus grande civilisation de l'histoire. Une civilisation qui a prospéré avant de disparaître totalement et de tomber dans l'oubli. L'héritage des Aslantes renferme peut-être une terrible menace, mais il est trop tard pour reculer. Que va-t-il se passer à votre avis? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Est-ce que tu es prêt, Luc? Mais bien sûr, professeur, je ne suis pas votre apprenti pour rien. Ton enthousiasme me fait chaud au cœur. Allons-y. Oh, j'ai vu la Triforce inversée. Vous l'avez tous vu. Merci Flowser qui arrive pour son 3e mois. Merci beaucoup. Dénouement. L'héritage. Oh, let's go. Regardez là-bas, c'est Bronev, il est avec Amy et Gaïa. Avec Amy, pas Amy, Amy. Rattrapons-le vite, nous avons peut-être encore une chance de l'arrêter. Une énigme. Nous sommes devant la dernière porte. Et donc c'est le père de Layton devant nous. Et j'ai perdu mes hommes 1 à 1. Tous ces imbéciles se sont fait piéger l'un après l'autre. Bien, Emeline, c'est à toi de briller. Je t'ordonne de résoudre cette énigme. J'ai passé des années à t'entraîner pour ce moment, alors ne me déçois pas. Je ferai de mon mieux, oncle Léon. Mais comment pouvez-vous ainsi sacrifier d'autres personnes? Amy, ne l'écoutez pas. Si vous y allez, vous ne reviendrez peut-être pas. Je n'ai pas le choix, Gaïa. J'ai déjà trahi le professeur Layton et Luc pour oncle Léon. Je ne peux pas me retourner contre lui. Si bien, Emeline, je sais que tu ne me décevras pas.
Amy, reste avec nous, non. Attendez. J'irai à sa place. Mais professeur, cet endroit regorge de pièges, vous pourriez être blessé. Ou pire encore. Oui, Amy, comme tu le dis si bien, cet endroit regorge de pièges et je refuse que mon excellente assistante aille s'y risquer. Cette femme n'a fait que de vous mentir et vous prétendez encore qu'elle est votre assistante. Vous êtes un sentimental. Au final, quelle que ce soit elle ou vous, peu m'importe. Si vous désirez tant y aller, je ne vous retiens pas. Très bien. Mais il ne sait pas que c'est son fils, du coup. Il ne le reconnaît pas, j'imagine. Ah, nice. Ok. Eh oui, elle escrive. Oh, j'ai un truc dans l'œil. La pièce dans laquelle le professeur vient de pénétrer est particulièrement dangereuse. Elle est littéralement remplie de pièges acérés et de statues dont les yeux tirent des lasers. Oh, ces statues pivotent de 90 degrés à chaque pas du professeur. De plus, sens des aiguilles de montre, j'imagine, de plus des pointes jaillissent du sol sur son sillage, lui interdisant de faire demi-tour. Guidez notre héros jusqu'à la sortie à gauche, prenez garde à ce qu'il ne soit pas bloqué dans un coin, au pire touché par un laser. Donc il ne peut pas casser ce statue. Ce qui est fort dommage. Est-ce que j'aurais pu aller à gauche? Ah, ok. Pas mal, ça. Mais là, je suis mort. Ah, le cul, il est brûlé. Très bien. Alors, on va d'abord commencer par aller par là. Là. Et maintenant, ici. Oui, j'aurais peut-être pu passer par en bas aussi, peut-être. On va aller là. On va aller... J'ai pas 36 000 solutions, donc là. 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 Là, c'est très très chaud cet endroit. Je ne peux pas aller à gauche, obligé d'aller là-haut. Et je ne peux pas revenir en arrière. C'est pas du tout là qu'il faut aller. J'aurais tendance à penser que... Non, je ne peux pas aller là non plus. D'accord. Donc là, vous me dites que non. Ouais, mais c'est incroyable, y a pas 36 000 solutions en fait. Ah, j'aurais pu passer comme ça, c'est vrai. Est-ce que je peux aller tout là-bas? Non, je peux pas. On va aller en bas. J'imagine qu'il n'y a aucun intérêt d'aller à droite. Maintenant, c'est... On va essayer d'aller là-haut. On va essayer d'aller à gauche. Je serai bloqué. Parce que là, si je vais là, je peux pas aller tout droit, je peux pas aller en haut. Donc on va aller en haut, ici. Oh. Oh, 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 oh. On va passer par en bas. Mais comment? C'est bloqué, je comprends pas. À moins qu'il faille passer par en bas. Dès ici. Merde. Oh non. C'est bon, c'est gagné. Est-ce que c'est la bonne solution? Oui. Bonsoir Moniscool. Excellent. C'était une très belle énigme. Il suffisait de tester tous les chemins et il y en avait forcément un qui allait marcher. Hein. Merci Johan, le plus beau du monde, qui a son prime. Pour la première fois de sa vie, bienvenue. J'aime bien ton pseudo, il est dit rigolo. Beau travail. L'ultime secret de la civilisation Aslante va enfin m'être dévoilé. La route fut longue et douloureuse, mais tous ces sacrifices en valaient la peine.
Écoute-moi, je vous en supplie, écoutez-moi. L'héritage des Aslantes n'est pas ce à quoi vous songez. Si vous libérez ce pouvoir, il pourra anéantir notre monde. Mais de quoi parlez-vous? Cet héritage sera une bénédiction pour l'humanité. Armés de leurs connaissances et de leurs technologies, nous pourrons faire tant de bien, sauver tant de vies. Vous refusez de comprendre. Layton, il est con, ton père. Même si tu t'appelles pas Layton en vrai. Nous voilà enfin au cœur du sanctuaire des Aslantes. Le rêve auquel j'ai consacré ma vie va enfin devenir réalité. Allons, jeune fille, lisez les instructions de cette pierre afin que l'on puisse enfin accéder au pouvoir des Aslantes. Le sang de l'émissaire est l'ultime clé. Oh oh. Offrez sa vie dans notre sanctuaire et les portes de notre héritage s'ouvriront. Gros oh oh. Moi, je veux pas qu'elle meure, Kaya, la déesse de la terre, là. Le sang de l'émissaire. Giga oh oh, les gars. Amy, là, faut faire un truc. Hein. J'ai un horrible pressentiment. Nous devons trouver un moyen d'arrêter Bronev. À partir de maintenant, vous ne pourrez plus sauvegarder. Voulez-vous continuer? Oui. Feu. Let's go. Eh bien, si c'est la seule chose à faire, allez-y, jeune fille. Accomplissez votre devoir. Waouh. Waouh. Nous y sommes enfin. C'est chaud. Ce secret, seul l'émissaire peut le révéler une fois son cœur percé. Waouh, c'est hyper chaud. Allons, ne prenez pas cet air abattu. J'irai jusqu'au bout. Je me suis beaucoup trop investi pour arrêter maintenant. Arrêtez! Vraiment? C'était donc vrai. Donc Gaïa n'est pas... Des millénaires ont passé. Pourtant, vous n'avez rien appris. Votre peuple disparaîtra. Et souffrira autant que les Aslantes. Luc, il faut vite que nous partions d'ici. Oh, c'est Tears of the Kingdom ou quoi là? Oh. On vole. Le sanctuaire est également un vaisseau volant. Si ça c'est pas une arme antique. Ah, c'est magnifique. Mon rêve s'est réalisé. Voici le pouvoir de la civilisation Aslante. Toutes mes années de recherche sont récompensées à leur juste valeur. Hélas, non. Vous vous trompez. Ils vont aller vers la lune. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Oh putain! Arme de destruction massive. Oh putain, mais la fin catastrophique de Layton. La fin du monde en fait. C'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Que font ces créatures? Ah, elle n'est pas blessée. Sur votre monde, et c'est vous qui l'avez libéré. Votre peuple connaîtra la même fin que les Aslantes. Que dites-vous? Je suis la voix du peuple Aslante. Je ne comprends pas. Nous connaîtrons la même fin que les Aslantes.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ordonne de vous expliquer. Très bien. Puisque vous voulez tout savoir. Jadis, sur Terre notre civilisation. Ouais, c'était futuriste c'était à l'époque. Il y a une éternité, avant même que votre peuple ne connaisse ses prémices. Nous étions très avancés, tant dans les sciences que la technologie. Nous avions percé les secrets de l'univers. Mais à force de succès, notre orgueil n'avait plus de limites. Et nous avons fini par nous considérer comme des dieux. Pourquoi les gens du futur, faut toujours qu'ils s'habillent de manière aussi... étrange... et sectaire, je sais pas. Pour cette même raison, nous avons jugé que les travaux physiques étaient indignes de nous. Nous avons donc créé des êtres mécaniques, doués d'une grande force et d'une résistance hors norme. Ces golems, nous les employons à forger nos métaux, porter nos fardeaux et effectuer nos récoltes. Ce n'étaient toutefois pas que de simples machines. Ils étaient capables de penser, de raisonner et avaient même des sentiments. Ah, des sentiments? Oui, c'est chaud là. Notre folie et notre arrogance nous avaient ainsi poussés à créer une toute nouvelle race. Avec le temps, les golems ont commencé à réfléchir sur leurs conditions et à se considérer comme des Aslantes. Oui, bon, c'est le scénario typique des intelligences artificielles qui prennent le contrôle au final. Ils ont exigé qu'on les affranchisse, mais nous avons refusé, provoquant ainsi leur rébellion. Cette rébellion a été catastrophique. Ainsi, notre civilisation fut déchue par sa propre création. Les membres de notre conseil n'ayant pas encore succombé, ont alors uni leurs forces pour accomplir une dernière action. Avant de disparaître, ils scellèrent le grand sanctuaire Aslant envahi par les golems sous une épaisse couche de glace. Eh oui. Et ils nommèrent leur émissaire, lui donnant pour tâche de surveiller le sanctuaire. Mais alors, ce que nous avons libéré... Oui. Vous avez libéré les golems. La plus grande erreur des Aslantes. Les victimes et les bourreaux de notre peuple. Ce que j'ai recherché durant ces décennies, ce n'était donc qu'un mensonge. J'ai tout sacrifié pour les Aslantes. Je ne m'intéressais ni à l'argent, ni à la gloire. Je n'étais qu'un archéologue passionné. Je voulais acquérir des connaissances et un pouvoir qui m'aiderait à changer le monde. Et pour cette ultime énigme, j'ai perdu mes enfants et ma femme, que je n'ai jamais cessé d'aimer. Oh non. Oh non, le moment émotion, là. Rachel, je suis vraiment désolé. Rachel, la maman d'Ayton. C'est de ma faute si tu es ici. Tu aurais été beaucoup plus heureuse sans moi. Mais non. Tu avais un rêve et c'était important que je te soutienne. J'ai été heureuse de travailler à tes côtés. Mon seul regret est de ne pas avoir revu nos enfants. Mais il est trop tard. J'ai tout raté. Ne dis pas ça. Je crois en toi. Hein? Tu réussiras, c'est sûr. Layton, il a vraiment eu les yeux de sa mère pour le coup. Oui. J'ai toujours eu confiance en toi. Nous allons bientôt être séparés, mais tu ne dois pas t'inquiéter. Je veillerai toujours sur toi. Au revoir, mon amour. Rachel? Rachel? Non. Rachel, j'ai sacrifié ma vie. J'ai sacrifié ma famille. Et tout ça n'a servi à rien. Gaïa, peux-tu nous dire ce que nous devons faire? Venez avec moi, professeur. Le monde sera détruit si nous ne mettons pas un terme à cette catastrophe. Gaïa, je t'en supplie, aide-nous. Il existe forcément un moyen de sauver l'humanité. Gaïa, s'il te...
Les mécanismes du sanctuaire et ceux des golems sont contrôlés par ce prisme. Il suffirait d'arrêter ces rayons. Et comment peut-on les arrêter? Oh! Mais mec, t'étais mort, en fait. Mec, ça nique tout. Reviens pas, en fait, t'es mort. Descol! Les rayons doivent être interrompus en même temps. Il faudra qu'une personne se place dans chacune de ces niches. Et il y a 5 niches. Professeur, laissez-moi vous aider. Amy? Oui, professeur. Faisons-le tous ensemble. Laissez-moi y réfléchir. Ce sera notre dernière énigme, en souvenir du bon vieux temps. Comment oses-tu? Brelef, nous avons besoin de vous. Si nous n'arrêtons pas les 5 rayons, l'humanité sera définitivement éradiquée. Écoutez, vous devez comprendre. Les rayons ne peuvent être arrêtés qu'au prix de votre vie. Oh! Hein? Bah non. Ce sacrifice, êtes-vous prêt à le faire? Est-ce que vous êtes prêt à sauver l'humanité? Même à ce prix? Luc. C'est la seule chose à faire pour sauver le monde. Professeur, ma décision est prise. Oh, il a des couilles, hein. Laissez-moi vous aider. Mais Gaïa! Ça va marcher! Oh! Elle peut pas passer dedans? Ben oui, mec, y a que toi là. J'ai échoué. J'ai consacré ma vie à l'archéologie, à la découverte du trésor le plus précieux pour l'humanité. Et qu'ai-je découvert? Le néant. Brelef! Écoutez-moi, nous avons encore un espoir. Hein? Le reste du monde pourra tirer une leçon de cette aventure. Les erreurs du passé ne seront pas répétées. L'humanité évoluera et construira un avenir meilleur. Le monde n'a pas à être détruit maintenant. Non, vous avez raison. Prends ton temps surtout, hein. Les autres y souffrent, mais vas-y, marche lentement. Oui, accélère, oui. Après, tu prenais un drap, tu prenais une couette, tu mettais sur le pilier, enfin je... Oh.
sais pas. Vénérable lumière des Aslantes, entendez-moi! Contemplez cette scène! Les humains savent se montrer généreux et désintéressés. Ils sont altruistes. Ils se battent pour un avenir meilleur. Ils font le bien autour d'eux. Je suis sûre qu'ils pourraient accomplir de grandes choses si seulement on les laissait vivre. Ô lumière des Aslantes, je vous supplie d'apaiser le mal qui les terrasse. Ça part sur l'énigme ultime ou quoi là ? Énigme 150. Oh, ça m'en a tout l'air. L'héritage éternel. La justice inspire le barde. Son hymne guerrier résonne dans le temps. La guerre prend fin, l'équilibre revient, mais le temps altère toute chose. Sachez tirer les leçons du passé et vous pourrez choisir votre futur. L'espoir revient quand seul le temps demeure. Alors, donc, merde, la justice inspire le barde, effectivement, son hymne guerrier résonne dans le temps mais aussi la flèche, la guerre prend fin, l'équilibre revient, mais le temps altère toute chose. Gaïa, tu as parcouru le monde avec ces gens. Si tu souhaites sincèrement les voir renaître, inverse le temps qui s'écoule du sablier. Oh merde, est-ce qu'ils vont me demander de retourner la Nintendo DS pour résoudre cette énigme ? Oh non. Si tu souhaites sincèrement les voir renaître, inverse le temps qui s'écoule du sablier. Leurs enveloppes déchirées seront réparées, le sang coulera à nouveau dans leurs veines, et tandis que ta vie s'écoulera vers la terre, les cieux à jamais deviendront ton domaine. Non, ça va. Oui, ils sont sympas. On est bon. Pas de 3DS à retourner. Qu'il en soit ainsi, Gaïa, notre émissaire, que ton vœu soit exaucé. On est vivants. Oh. Pardon, ouais, les écrans. Siam, ça va, Siam ? Allô, Siam, ça va ? Tout va bien ? Ah oui, ok. Trop bizarre, t'avais plus ton truc de modérateur à côté de ton pseudo tout à l'heure. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça devait être un bug de Twitch. On est vivant ! Gaïa, c'est toi qui nous as sauvés ? Par votre générosité, vous avez prouvé aux Aslantes que votre peuple méritait d'être épargné. Toutes les connaissances et tout le pouvoir de ce lieu vous appartiennent à présent. C'est là le véritable héritage des Aslantes. J'espère qu'il apportera à votre peuple la plénitude dont il a besoin. C'est très généreux. Mais nous n'avons pas besoin de cet héritage. Vraiment ? Les êtres humains sont ingénieux. Cela prendra probablement des millénaires. Mais je suis sûr qu'un jour, l'humanité sera aussi avancée que ne l'étaient les Aslantes, si ce n'est plus. Je suis convaincu que nous devons construire notre propre futur, sans avoir recours au trésor des Aslantes. J'avais pas vu ton message, si. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. La vie, malheureusement. Oh, tout s'écroule ! Le sanctuaire.
Aslant a enfin rempli sa fonction. Ma mission est accomplie. Merci pour tout. Oh, Gaïa ! Je n'ai plus ma place parmi vous. Je dois rejoindre mes créateurs, c'est mon destin. Je suis le dernier golem créé par les Aslantes. Oh ! Le corps qui m'a été donné va disparaître. Gaïa. Oh non, Luc, il a l'air tout triste. T'en vas pas ! Vous ne devez pas rester là. Adieu, Gaïa. Allons-y. Viens, Luc ! Oh non ! Oh non ! Au revoir, Gaïa. Au revoir, Layton. Descol ! Mais ils sont en train de tomber, enfin je... J'ai beaucoup appris de mon séjour parmi les humains. Je crois qu'ils ont déjà surpassé les Aslantes. La technologie n'est rien face aux valeurs humaines. Les Aslantes peuvent reposer en paix à présent. Avant de partir pour toujours, je souhaite à l'humanité de continuer à prospérer. Je sais qu'ensemble, les humains bâtiront un avenir meilleur. Adieu, professeur Layton. Adieu, Luc. J'ai apprécié chaque moment que nous avons passé ensemble. Merci pour tout, mes amis. Et qui sait ? Un jour, peut-être, je reviendrai en tant qu'être humain. Un magnifique être humain. Ouf. Alors, c'est vraiment fini? Oui. À nous deux, Bronev! Qu'est-ce que c'est que ces poils qu'il a sur le torse? Je me rappelais pas de ça. Vous ne pouvez plus échapper à la justice. Il y avait ça avant? Théodore Bronev. Tu es en droit de connaître ton vrai nom. Il s'appelle Théo. Vous faites erreur. Je m'appelle Herschel Layton. Il s'appelle Théo. Je n'ai que faire d'un autre nom. Il s'appelle Théo. Eh bien, tant pis. Herschel Layton, adieu. Vous Professeur avez renoncé Théo. Au rôle de père il y a bien longtemps. Roland et Lucille sont mes vrais parents. Un jour, peut-être, nous aurons l'occasion de nous retrouver. En tant qu'archéologue et ami. Professeur Théo Bronev. Waouh ! Incroyable ! Oh la classe ! J'ai jamais été spoilé de ça. Je suis trop content de jamais avoir été spoilé de ça. C'est trop cool. Alors ça y est, tout est fini. Toutes ces années de dur labeur, mais ma vie n'a plus aucun sens. Ne dites pas cela, il s'agit d'un nouveau départ. Et quoi que vous décidiez de faire à présent, votre fidèle serviteur restera à vos côtés. Merci, Raymond. Puisque l'aventure nous appelle, ne la faisons pas attendre.
Bien, professeur. C'est l'heure des adieux. Tu veux vraiment partir ? Il le faut. Target n'existe plus. Et moi, je crois que je n'ai plus ma place ici. La mission qui m'a été confiée est terminée. En es-tu bien sûr ? Un professeur a besoin d'une assistante, après tout. C'est bien possible. Surtout quand le professeur en question a tendance à vivre des aventures hors du commun. Ah, tu n'as pas tort. Un jour, quand je serai digne d'être votre assistante, je reviendrai peut-être. D'ici là, je pense connaître le candidat idéal pour ce poste. Luc est un garçon honnête et droit. Il fera un assistant remarquable. Bref, je dois y aller. Ah. Très bon jeu. C'est une lettre adressée à nous. Nous n'avons jamais parlé à personne de ce que nous avons découvert ce jour-là dans ce village. En effet. Hé, hey, c'est la Layton Mobile. C'est le début du 1 de l'étrange village. Qui se passe donc juste après. Simple histoire d'héritage. Allons, mon garçon, crois-tu vraiment qu'il ne s'agit que de cela ? Figure-toi que nous avons là une situation pour le moins remarquable. Laisse-moi t'expliquer de quoi il retourne avant notre arrivée. Il y a 2 mois, le baron Augustus Reynolds s'est éteint. Peu après son décès, son testament a été révélé. À suivre, c'est une boucle en fait. La boucle est bouclée. Tout reprend dans l'épisode 1, Professeur Layton et l'étrange village. Bah oui, quand même. Hein. Eh ben, c'était pas mal. Hein. Donc en fait, ce jeu-là, c'est le premier dans l'histoire chronologique. Non, c'est pas le premier, mais il se passe avant le premier dans tous les cas, oui. Vous avez assisté au dénouement de l'histoire, vous allez pouvoir sauvegarder votre partie. En chargeant cette sauvegarde, vous reprendrez votre partie juste avant la confrontation finale avec Bronev. De là, vous pourrez vous déplacer librement, chercher les énigmes et objets qui vous manquent. Alors, sauvegardons. Et je vais avoir un petit Layton en or, j'imagine. Il est là, le Layton en or. Formidable. Ok. Ok. Alors tu m'as pensé quoi de la licence Layton Farod ? Ben, j'en pense qu'elle nous a suivis en live pendant plus d'un an et que ça valait grave le coup. J'ai absolument aucun regret. Oui, dans l'ordre chronologique, ça fait 4, 5, 6, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Non, celui sur Switch sera le 7ème, c'est ça ? Donc c'est ça. 4, 5, 6, 1, 2, 3. J'en ai pensé que du bien, hein. De toute façon, je me serais pas... Je me serais arrêté avant si ça ne me plaisait pas. J'en ai pensé que du bien, c'était très cool. Il y a eu un moment de creux vers le plus de la moitié de la licence. Le Masque des Miracles, j'ai moins apprécié un petit peu. J'ai adoré le 1, vraiment j'ai adoré le 1. Le 2 était... Le 2 c'était avec l'histoire de la ville. Le 2 était très sympa, le 3 au début j'avais un peu de mal et après quand j'ai... Et après l'histoire m'a accroché de ouf. Le 4, j'ai beaucoup moins accroché. Le 5, c'était quoi le 5 déjà ? Masque des Miracles ? Ah bah non, c'est celui-là que j'ai pas apprécié. Alors du coup, le 4. Le 4, c'était lequel ? C'était avec le...
Le 4, c'était celui avec le dans la ville où il y avait des la nuit, des monstres géants. L'appel du... Ah voilà, c'est l'appel du spectre. L'appel du spectre, j'ai trouvé ouf, un peu lourd. Masque des miracles, j'avais pas aimé, je crois, parce que le gameplay était un peu moins simple. Donc celui-là, le 6, je l'ai beaucoup plus kiffé. J'ai adoré Layton versus Phoenix Wright, forcément. Et non, écoute, je suis très très content de tous ces avoir fait, de me dire j'ai fait toute la licence de Layton, de savoir que maintenant c'est dans mon bagage de gamer, de jeux vidéo, je me suis fait tous les Layton, donc c'est plutôt cool. Et bien vivement que la suite sorte, sur la Switch, tout simplement. Vivement que la suite sorte, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de voir comment ils ont grandi, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie, j'ai envie de voir la suite de l'histoire que Level 5 a à nous raconter, quoi. Le crossover, tu le classes où ? Comment ça, je le classe où ? En termes de préférence ? Oh, je sais pas, je crois que celui que j'ai le plus préféré, c'est le 1, parce que ça a été la surprise, les énigmes, la découverte, parce que tu vois, il y a beaucoup d'énigmes qui ressemblaient beaucoup à des énigmes des opus précédents. C'était souvent la même façon de réfléchir, la même façon de procéder, de penser. Là où sur les premières énigmes, je bloquais de ouf et j'étais en mode « Waouh, mais je suis trop con et tout », là, les derniers jeux, les énigmes, pour la plupart, à moins que ce soit vraiment des puzzles compliqués, la logique, on l'avait. Parce qu'on était habitué au jeu avec un X Layton. Donc le premier, ça a été vraiment la découverte. Le monde, les personnages, les énigmes, tout ça. Et ce sentiment de satisfaction de rester bloqué sur une énigme pendant 5 minutes, 10 minutes, et réussir à la résoudre et se dire « Ah putain, ça valait le coup ». Que j'ai un peu perdu parce que j'ai enchaîné tous les jeux d'affilée, alors que si je les avais fait sur un jeu par an, j'aurais gardé ce même sentiment, tu vois. Donc je pense que celui que j'ai le plus aimé, c'est forcément le 1, parce que c'était la découverte. Le 3, je l'ai dans mon cœur aussi beaucoup pour l'histoire, où on croit vraiment que c'est des trucs de... Ben vraiment, vu comment c'était présenté, voyage dans le temps et tout, je me suis dit waouh, mais ça part en couille, c'est plus du tout terre à terre, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais dans Layton et tout. Et au final, non, ils ont quand même réussi. Enfin, le scénario vraiment te prend par surprise. Donc, j'ai beaucoup aimé le 1, j'ai beaucoup aimé le 3, j'ai beaucoup aimé le crossover, et après le 2 aussi, j'ai beaucoup aimé, et après 7. Donc, ouais, dans mon ordre de mes préférences, ça ferait 1, 3, crossover, 2, 7. Pardon, il n'y a pas de 7 encore, 6. C'est celui-là. 6 et... je dirais. Ou 4 et 5, je sais pas trop. Ou alors je les mets à égalité 5 et 4. Voilà. voilà. Ton personnage préféré. Ben moi j'aimais beaucoup Amy. Elle voulait tout le temps se battre et tout, casser des gueules, tu vois. Ah je sais pas, je l'aimais bien. Je me disais, ah c'est bon ça. Ça dynamise le groupe et tout ça. J'aimais bien, bon Luc il était marrant, il était naïf un petit peu, il faisait de la peine, et puis tu vois, c'est un petit, mais tu vois, il se laisse pas faire et tout, donc il était cool Luc. Pas pour rien qu'on en a fait une emote. Et ouais, bon Layton forcément, il est un peu, il a son histoire, ok, mais il reste quand même, oh quoique non, il a une sacrée personnalité, mais il faut, ça se sent que... Il s'efface un petit peu quand même, un minimum, pour qu'on se mette un petit peu à sa place, tu vois. Donc voilà. C'était très très bien. Merci Saori Athena pour les 22 mois de resub. Merci beaucoup. Non, c'était très 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 bien. Vivement l'opus sur Switch. Ouais, vivement de ouf. Tu joueras à quel jeu après ? Jouer à quel jeu après ? La logique c'est que le... Alors laisse-moi vérifier un truc. La logique c'est le prochain Let's Play, là, c'est Danganronpa V3. Laisse-moi vérifier aussi parce qu'il y a Rain Code aussi, je veux voir quand est-ce qu'il sort. Hein. Et par les créateurs de Danganronpa. Hein. Quand est-ce qu'il sort hein. Date de sortie. 30 juin ? Hey ! Ça va être pas mal ça. 30 juin. Ah mais non, mais 30 juin, c'est pas la fin du mois, c'est dans un mois et demi. Donc on va pouvoir faire Rain Code juste après Danganronpa V3, ça va être pas mal du tout, ça. Ça me laisse un mois et demi pour faire Danganronpa, ce qui est largement faisable. Alors, est-ce qu'il y aura Danganronpa dès la semaine prochaine ?
crois pas. On va peut-être faire une petite semaine de off tranquille. Enfin, de off, pas de hors stream, mais je veux dire de jeu autre que un let's play. Peut-être que la semaine d'après, on fera Danganronpa, pas. Peut-être à la fin du mois, quoi. En plus, on arrive petit à petit sur l'été, les beaux jours et tout. Genre Tomodachi Life, exactement, c'est ça. Je serai pas là, je veux le découvrir de mon côté Raincode, mais tu as complètement raison. Oh, Farafel m'avait envoyé une save 100% pour les extras. Mais je comptais pas continuer là. Là, je vais m'arrêter là. On va pas faire les extras et tout ce qui manque. On a fait l'histoire principale du jeu et on va s'en tenir là pour ce soir. Et on va s'en tenir là pour toute la suite du let's play de la licence. Oui, ben voilà. Écoutez, on va se mettre comme ceci. On va couper ça. Et c'est tout. Ça sera tout pour cette rediffusion YouTube. Et comme ils te le disent actuellement, tout à fait. Au revoir YouTube. On te fait des bisous. Porte-toi bien. Et à la prochaine pour de prochaines aventures. Bye bye YouTube.